Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir un exemple de calcul intégral par la méthode de l'intégration par changement de variable. Donc, on demande de calculer l'intégrale de 6 sur pi à 2 sur 3pi cosinus de 1 sur x sur x au carré d de x. Donc, le réflexe habituel nous incite de vérifier l'existence de cette intégrale. Donc on a la fonction cosinus de 1 sur x sur x au carré est une fonction définie continue sur R étoile et les bornes de cette intégrale 6 sur pi et 2 sur 3pi sont deux éléments du domaine de définition de la fonction considérée. Donc l'intégrale de 6 sur pi a 2 sur 3pi de cosinus de 1 sur x sur x au carré, d de x existe. Donc, pour calculer cette intégrale par changement de variable, on va essayer de la écrire sous la forme de f de u d de u. Donc, en fait, si on pose u est égal à 1 sur x, cela est égal à x à la puissance moins 1. Donc, on a la dérivée de u par rapport à x est égal à moins x à la puissance moins 2, qui est égal à moins 1 sur x au carré. Alors, d de u est égal à moins 1 sur x au carré, d de x. D'où, moins d de u est égal à 1 sur x au carré, d de x. Donc, cherchons maintenant à changer les bornes de l'intégrale. On a x est égal à 6 sur pi, et U est égal à 1 sur X, donc U est l'inverse de X, donc U est égal à pi sur 6. On a X est égal à 2 sur 3pi, et U est égal à 1 sur X, donc U est égal à 3pi sur 2. Alors, l'intégrale de 6 sur Pi a 2 sur 3pi cosinus de 1 sur X, sur x au carré d de x est égal à moins l'intégrale de pi sur 6 à 3pi sur 2 cosinus de u d de u. Donc, euh, on a remplacé ici 1 sur x par u et 1 sur x au carré d de x par moins d de u. On a fait sortir le moins. De moins d de u ici, et on a cette expression. Donc, on sait une primitive de la fonction cosinus de x et sinus de x. Donc, l'intégrale cherchée est égale à moins l'intégrale de pi sur 6 à 3 pi sur 2 cosinus de u d de u est égale à moins entre crochets sinus de u de pi sur 6 à 3 pi sur 2. Remplaçons par les bornes de l'intégrale. On a donc moins entre parenthèses de sinus de 3 pi sur 2 moins sinus de pi sur 6. Or, on sait que sinus de 3 pi sur 2 est égal à moins 1 et sinus de pi sur 6 est égal à moins 1 demi. Donc, en conclusion, l'intégrale de 6 sur pi à 2 sur 3 pi cosinus de 1 sur x sur x au carré d de x est égale à 3 demi.